c'est Caramella qui vous revient pour un haul IKEA que j'ai effectué sur Dijon avec ma sœurette lorsque j'ai été pour le rendez-vous post-opératoire de mes lombaires. Et donc, comme il y a à Dijon Nord un IKEA et un Primark, on a fait les deux. Donc là, c'est parti, on part à IKEA. Oh là là, mon rêve, avoir un IKEA dans l'Aube. Allez, c'est parti, mes chatons. Jingle! C'est parti! Allez, on va à IKEA Dijon Nord. Il est gigantesque, il est sur 2 étages. Alors, ma sœurette m'a dit qu'à Paris, il est encore plus grand. Il est sur 3 étages. J'ai quelque chose sur les lunettes. Bon, ça m'a déjà été suffisant hein, parce que j'étais opérée du dos, j'avais mal au dos, mais ça a été quand même super comme expérience. Et j'ai acheté pour 63,45 € de matériel de cuisine, d'ustensiles, etc. Allez, je vous montre tout ça. Alors, en premier lieu, j'ai acheté 2 lampes de chevet à 4,99 € la lampe. Voilà, comme ceci. Alors, c'est du plastique. Hein. Je ne sais pas si on a le dessin de la lampe. Si, ça va donner ça, en fait. Je vous les montrerai ultérieurement dans mes weekly vlogs. Hop, voilà. Ça va donner comme ceci, le petit dessin qui est là. Voilà. Ça va donner ça, une petite lampe de chevet, toute basique, toute simple, en plastique. 4,99 €, j'en ai pris une pour moi et une pour mon kidou, pour chaque côté du lit. Voilà mes chatons. Franchement là, on ne se ruine pas. Ensuite, j'ai acheté des ampoules. 4,99 € les 2 ampoules de 40 watts. Je ne sais pas si ça vaut le coup, ma foi, j'étais là. C'est pour mettre dans les petites lampes de chevet. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les installer dès ce soir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a les prix sur les... Il n'y a pas les prix, c'est ça qui est embêtant. Alors ensuite, j'ai acheté... Ah oui, des tapis de salle de bain. Je vous les mettrai ici. Et bien, chaque tapis de salle de bain, 1,79 €. C'est vraiment pas cher. 1,79 €, je vous les mets ici, en photo. Ils sont en espèce de corde naturelle. Voilà. Et 1,79 € le tapis, j'en ai pris 2 et j'ai changé mes tapis de salle de bain. Les anciens, je les ai donnés à une animalerie, Cats Love, en fait, une association qui s'occupe des petits chats abandonnés. Alors, est-ce qu'elle veut reculer un petit peu? Allez, bibiche, faut lui parler gentiment. Bref, voilà, donc 1,79 €. J'ai acheté également, une pince, 1,99 €. Je ne sais plus trop combien c'était. Les assiettes, les couteaux. J'ai acheté en fait 6 coupes de champagne. Voilà, comme ceci. C'était vraiment pas cher. J'ai pris les plus simples, les moins costauds, les plus costauds. Voilà, ça craint rien. Parce que je n'ai plus que 4 coupes de champagne. J'en ai profité. J'ai pris les 6 coupes. Donc comme ça, j'en ai une dizaine. C'est de la marque Svalka. Et les coupes de champagne, je les ai payées, je crois c'est 5,98 €. Non, les flûtes, 5,99 € les 6 coupes de champagne. Même pas 1 € la coupe, que demande le peuple. Ensuite... j'ai acheté Made in Italy, quelque chose comme ceci. Voilà, alors c'est pour faire sécher les assiettes. Mais moi, je vais m'en servir peut-être pour mettre mes palettes de maquillage. Voilà. Ça, c'était pas cher du tout. Je crois que c'était... c'était dans les 4 €. Hein. Oui, 4,99 €.
C'est pas donné, mais c'est du costaud, c'est du métal, voilà, 4,99€. Voilà, je me suis dit pas mal pour mettre des palettes de maquillage, de teint, etc. Ensuite, j'ai acheté, hop, alors, 2, 4, 6 assiettes plates, comme ceci, toutes simples, pour compléter notre service de tous les jours. Les 6 assiettes plates blanches comme ceci, je les ai payées, alors les assiettes, 59 centimes l'assiette. Non mais, 59 centimes. Franchement, ce n'est pas cher du tout. Je suis ravie de mes petites assiettes. Je vais pouvoir les mettre à laver. Ensuite, je vais lever mon petit carton. Je vais pouvoir rendre le petit sac à ma sœur. J'ai acheté pas mal de couverts. Vous allez voir, voilà, des couverts de cuisine. Alors, j'ai acheté des couteaux. Oui, oui, oui. Les couteaux. Hop. Un set de 4 couteaux à steak, c'est 3,99€. 3,99€ le set de 4 couteaux à steak. C'est toujours c'est de la marque Snita. Voilà. 3,99€ les 4 couteaux. J'en ai pris 2 sets parce qu'on n'a plus beaucoup de couverts. C'est pour ça que j'ai fait le plein. Ensuite, la pince, alors oui, ah ben la petite pince, elle est au sale. Je vais acheter une petite pince en plastique, comme ceci. Petite pince à cornichons. La petite pince à cornichons, elle est à 1,49€. Ensuite, la cuillère en hêtre, comme ceci, 1,99€. J'en ai pris une grosse. Comme ceci, qui racle bien, vous savez, le jus de cuisson, les sucs de viande. Voilà, elle est bien grosse. Et 1,99€, plus classique, comme ceci. Voilà, j'en ai un, mais elles sont usagées, donc je veux les changer. Et elles sont en hêtre, 1,99€. Je suis sûre que c'est plus cher dans nos magasins, Babou, tout ça. Et Action, des fois la qualité elle est moindre. Là c'est vraiment, vraiment de la qualité. Vous pouvez voir ça sur la vidéo, franchement, magnifique. Hein. Voilà, bien travaillé, nickel. Ensuite, les couteaux, les assiettes, les flûtes. J'ai acheté. Ça doit être à 2,99€. Attendez. Non, 3,58. 3,99, pardon. Même pas. J'arrive pas à voir. C'est quoi ça? C'est un coupe-tomate, vous savez. Alors, 5,98, j'ai dit que c'était. Ça doit être. Un ampli. Je ne sais plus. Ça, c'est pas cher du tout. Ça doit être dans les 2,99€. Un coupe tomate. Voilà. J'ai cherché un coupe frites. Il n'y en avait pas. J'ai demandé aux vendeuses. Elles m'ont dit les Suédois ne mangent pas de frites. Pour régaler, bien sûr. Voilà. Voilà, très bien. Un petit coupe tomate. Alors, je suppose. On verra comment ça fonctionne. Ah, bah, il est attaché. Voilà, tout simple. Et ensuite, j'ai acheté 2 cuillères en plastique, comme ceci. J'ai pris les deux mêmes. Les cuillères, ça devait être 1,99€. Les deux mêmes, comme ça, parce qu'elles sont bien profondes. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont bien profondes. Et pour travailler les sauces, etc., et ben, c'est nickel. Voilà, j'ai pris les deux mêmes. Ma sœurette l'a prise également, cette cuillère. Et pour finir, pour les compléter les 64€, j'ai pris 2 sets de couverts pour la cuisine. J'ai pris 2 sets de petites cuillères, on en manque toujours. Alors les sets de petites cuillères, c'est
Ça doit être 2,99. 2,99. Il y a 4 petites cuillères. Voilà, j'en ai pris 2,7. En métal, hein, tout simplement, en alu. Made in China. Voilà. 2,99 les 4 petites cuillères en deux fois. Et 2,99 de chez IKEA, toujours bien sûr. 4 fourchettes comme ça, 2,99. Alors il y avait les petits couteaux à dents, vous savez, les couteaux à beurre, etc. J'en ai pas besoin. J'ai préféré prendre les couteaux à steak comme je vous ai montré. Et donc 2,99 les 4 fourchettes et j'en ai pris 2,7. Comme ceci, mes chatons. Voilà, voilà. Et c'est de la qualité. Elles sont assez lourdes. Elles sont bien travaillées, celles-ci. Pas comme chez Action, où les petites cuillères vous coupent les lèvres. Là, franchement, c'est du beau travail. Franchement, nickel chrome. Voilà, mes chatons, vous savez tout. Donc, franchement, les flûtes à 5,99, les 6 flûtes, c'est donné. Et 3,54 les 6 assiettes, c'est pas cher du tout. Voilà mes chatons. Je vous ai tout montré. Les lampes, machin. Voilà. Peut-être les ampoules qui étaient un petit peu chères. Quoique, des ampoules maintenant, hein. Puis rien n'est donné. Voilà mes chatons, j'espère que cette petite vidéo IKEA de Dijon Nord vous a plu. Ça valait vraiment le coup du déplacement. On a lié l'utile à l'agréable avec ma sœurette. Si vous voulez voir notre déplacement, n'hésitez pas à aller voir nos weekly vlogs dans la playlist weekly vlog. Ça doit être le weekly vlog 65 où c'est marqué 2 jours à Dijon. Et là, vous nous voyez sur place, au IKEA, etc. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en dit, bien sûr, pour soutenir également mon petit Minus qui est dans mon cœur, qui ne vous oublie pas et que vous n'oubliez pas également. Et ça me touche beaucoup. Gros bisous, grosse patoune de Minus. Et puis, à très vite, mes chatons. Faites attention à vous. Je vous embrasse. Bisous.